who Gerard Piqué reportedly cheated on Shakira with is not the mother of Barcelona teammate Pablo Gavi, despite social media claims. This week, reports emerged that Piqué and pop star Shakira are on the verge of a divorce after the veteran Barcelona defender was caught in bed with another lady. However, a troll Twitter account allegedly claimed on Thursday that the lady involved was the mother of 17-year-old Barcelona starlet Gavi. The rumor soon gained traction and trended on the social media site. However, a report from Spanish magazine El Periódico, which was cited as the source of the story, emphatically refutes the claims. El Periódico stated that the woman in issue was in her 20s and blonde. That eliminates Gavi's brunette mother, who is thought to be called Gavinine Anasi. La chanteuse Shakira et le footballeur Gérard Piqué annoncent leur séparation après 12 ans d'amour. Les deux stars s'étaient rencontrées à l'occasion de la Coupe du monde de football de 2010. Ils ne s'aiment plus à mourir, leur amour est né au plus beau moment de leur carrière respective. En 2010, la voix de Shakira résonne dans le monde entier grâce à Waka Waka, l'hymne de la Coupe du monde de football cette année-là. Gérard Piqué, lui, est sacré vainqueur de cette même compétition au sein de la sélection espagnole. Leur rencontre scelle le destin d'un des couples les plus glamour de la planète peu à peu. Mais ce samedi, la star colombienne et le footballeur espagnol annoncent leur séparation dans un communiqué commun. Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité, nous demandons le respect de notre vie privée, a déclaré le couple dans un communiqué transmis par les avocats de la chanteuse. Un couple éminemment médiatique sous le feu des projecteurs après le sacre de l'équipe espagnole lors du Mondial de 2010 en Afrique du Sud, le statut de Gérard Piqué change de statut. De sportif reconnu, il devient éminemment médiatique. Sa compagne lui permet de rencontrer les grands de ce monde. Le footballeur enfile alors sa deuxième casquette, celle d'entrepreneur à succès. Tous deux ont aussi eu affaire à la justice espagnole. Un procès en Espagne se rapproche pour la star colombienne, accusée d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros après le rejet d'un recours par la justice fin mai. De son côté, Piqué a vu la justice espagnole lui donner raison fin 2021 après l'annulation d'une condamnation qui obligeait le joueur à rembourser 2,1 millions d'euros au fisc espagnol pour un délit présumé de fraude sur ses droits à l'image.